Comment gagner de l'argent rapidement grâce à l'immobilier? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment en une seule opération, tu peux gagner une année, voire plusieurs années de salaire grâce à l'immobilier. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint les 100 likes, YouTube référence mieux notre vidéo. Donc, ça permet à plus de personnes de découvrir la chaîne YouTube. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass offerte où je t'explique et je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Alors, comment gagner beaucoup d'argent rapidement grâce à l'immobilier? Moi, j'aime bien dire que l'immobilier, ça peut te payer le salaire d'un pilote d'avion. Et honnêtement, c'est vrai. Car le profit que tu vas faire en immobilier se fait à l'achat. Beaucoup de personnes, voilà, des fois, ils voient un bien à un peu cher et se disent « Bon, c'est pas grave que j'achète à ce prix-là car l'immobilier va augmenter d'ici 5 ans. » Donc, en gros, ils vont rattraper le gap qu'il y a eu au moment de l'achat. Il faut absolument pas que tu réfléchisses comme ça. Il faut que tu te dises que lors de ton opération, il faut que tu fasses un profit à l'achat. Je te donne un exemple. Imagine, tu achètes, tu vois un bien à 100 000 et tu l'achètes à 80 000. Donc, dis-toi, au moment même où tu achètes le bien, tu fais un profit de 20 000. Car si tu l'achètes à 80 000 au lieu de 100 000, demain, si tu vends le bien, tu fais un profit directement de 20 000, de 20 000 euros, de 20 000 dollars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le profit se fait très rapidement lorsque tu achètes le bien. Je te donne un exemple d'une opération que j'ai faite. Moi, j'aime bien dire que dans l'immobilier, il faut acheter les problèmes. Et beaucoup de personnes sont freinées face aux problèmes liés à l'immobilier. Quand je parle de problèmes, c'est par exemple le fait d'acheter un bien complètement délabré, le fait d'acheter un bien où il y a des locataires qui causent problème, le fait d'acheter un bien où il y a des travaux à faire de type changer la toiture, refaire la façade, refaire les fenêtres, etc. Et beaucoup de personnes, quand elle tombe sur ce type de bien, elle se rétracte. Donc elle se dit « Ah non, moi, j'ai pas envie de gérer ça, j'ai pas envie de gérer ça. » Alors qu'au final, c'est ça qui rapporte de l'argent car tu achètes des problèmes que tu fixes et c'est là que tu fais un gain en fait en termes de valeur, donc en termes de capital. Parce que d'une part, le fait qu'il y ait des problèmes, ça va t'aider lors de la négociation du bien. Donc tu vas dire au vendeur « Écoutez, là, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Moi, je peux pas acheter au prix auquel vous vendez le bien car voilà, vous voyez qu'avec tous ces problèmes, ça va coûter peut-être 30 000 dollars de travaux ou 30 000 euros de travaux. Donc, s'il vous plaît, diminuez le prix. » Donc, le fait qu'il y ait des problèmes déjà, ça te permet déjà de négocier le prix à la baisse. En plus de ça, une fois que tu as fixé ces problèmes-là, une fois que tu as réparé ces problèmes, la valeur du bien va augmenter. Donc, imagine, tu as des travaux pour 30 000 euros, 30 000 dollars. Tu changes la toiture, tu changes les fenêtres, etc. Le gain en termes de valeur que tu vas apporter à ce bien-là, ça va pas être de 30 000 dollars, ça va peut-être être de 50 000 euros, de 50 000 dollars, tu vois. Donc, tu fais à la fois du profit à l'achat et à la fois du profit du fait que tu répares le problème de ce bien immobilier. Donc, tu gagnes doublement. Et je reviens sur l'exemple que je voulais te dire précédemment. C'est par exemple, moi, j'ai acheté un bien où, c'était un immeuble et la toiture était sur le point de s'effondrer. Je te jure que le toit, même moi, je suis monté sur le toit et il suffisait que je fasse un petit saut comme ça et le toit, enfin, je passais à travers le toit en fait. Je passais à travers la toiture. Et beaucoup de personnes se sont rétractées parce qu'elles se sont dit « Ah non, le toit, il va s'écrouler, etc. Moi, je ne vais pas acheter ça, etc. » Tu vois, moi, je me suis dit « Ah non, mais là, c'est une bonne occasion parce que de un, j'ai pu négocier le bien à la baisse auprès du vendeur et de deux, j'ai pu réparer le toit et ça a augmenté la valeur du bien. Et aujourd'hui, c'est un bien avec lequel j'ai une plus-value latente de près de 150 000, 160 000 dollars à peu près. Donc, si je revends le bien, j'encaisse directement 150 000 dollars de plus-value. Ce qui correspond honnêtement au salaire d'un pilote d'avion ici au Québec. Donc, c'est pour dire que ça va très vite. Donc, juste en une seule opération, j'ai gagné plusieurs années de salaire. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te dises, numéro 1, toujours acheter en dessous du prix du marché. Et numéro 2, il faut que tu achètes des problèmes que tu vas résoudre en fait. Et c'est en fixant ces problèmes-là que tu vas gagner de l'argent en immobilier. Beaucoup de personnes se disent « Oui, le prix de l'immobilier, il est trop élevé. Il n'y a pas d'opportunité, etc. » Mais en fait, c'est à toi de créer l'opportunité. Moi, j'aime toujours dire qu'il faut aller à contre-sens, à contre-courant. C'est-à-dire les gens, ils vont chercher des biens qui sont tout beaux, tout neufs, etc.
toi, il faut, que tu fasses le contrat, il faut que tu ailles chercher des biens où il y a énormément de problèmes et tu résous ces problèmes-là. Et c'est en résolvant ces problèmes-là que tu vas gagner beaucoup d'argent en immobilier. Je t'invite vraiment à méditer dessus. Pose-moi des questions si tu en as. Je t'invite à les mettre dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier ou faire de l'achat-revente. Je t'invite également à nous rejoindre à la masterclass offerte où tu pourras voir comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Sur ce, moi je te remercie beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.